Reste, si vous regardez l'ouvrage, vous allez voir toute la liste. On n'a pas laissé tous les pays qu'on a laissés, c'est parce qu'on a un problème de données. Parce que parfois, tu dois arbitrer entre le pays et la donnée. Donc, si tu gardes le pays, tu es obligé d'abandonner la donnée, la variable. On a abandonné des variables qu'on aurait bien voulu parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas ces variables-là. Donc les variables ne sont pas renseignées. On élimine la variable. Parfois on élimine le pays. Bon, si c'est le seul pays, on préfère éliminer le pays. Bon, on a éliminé 9 pays, peut-être moins, 47 pays. On a éliminé 7 pays où il n'y a pas de données. Pas assez de données, mais tout le reste, on a éliminé. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Mais les pays d'Afrique centrale sont représentés. Mais la richesse ne suffit pas. Il faut la richesse et la transformation. D'ailleurs, je terminerai avec ça. Il y a un économiste qui dit le développement, la croissance et la transformation. Donc, pas d'émergence sans transformation. Il peut y avoir un PIB par tête de 30 000 dollars, comme Guinée équatoriale en 2008. Malgré tout, si vous exportez tout le pétrole sans le transformer, vous ne serez pas émergent. L'émergence, c'est la transformation. Émergence égale transformation. Vous pouvez retenir ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lou, pour la qualité de vous. Je le dis et je le répète, nous avons un futur prix Nobel, j'espère. On peut l'appeler en autre terme. Hein. Oui, mais. Vous savez, chez les mathématiciens. C'est important que vous ayez avec votre créé la médaille Fields. Bon, on peut créer une médaille pour les conseils au gouvernement. Oui, mais les Africains méritent de temps en temps qu'on les célèbre. Parce qu'ils font des choses remarquables et qu'on ne le fait pas suffisamment. Et je pense que l'indice que vous avez créé mérite d'être. Même plus de visibilité, d'être montré, exposé dans le monde. Parce que souvent, dans les organisations internationales, ceux qui parlent des pays en voie de développement, je pense que madame qui était dans les organisations internationales, ne connaissent pas très bien le continent d'Afrique, ne connaissent pas très bien leur réalité. Donc, pour une fois, ils ont quelqu'un ou des gens qui proposent quelque chose de très concret, nous permettant de mieux comprendre le contexte. Pour proposer par la suite des mesures concrètes nous permettant peut-être de connaître un take-off, pour ne pas dire émergence, c'est une formidable chose. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je l'ai promis, nous le ferons. Il va revenir dans une session, Inch'Allah, dans une session plus spéciale, lui permettant d'exposer, de décortiquer donc le modèle qu'il a présenté cet après-midi. Et je rappelle que le livre est en vente ici. Le manuel. Si vous l'achetez maintenant, je fais un petit peu de pub. Si vous l'achetez maintenant, c'est dédicacé par les auteurs avec un prix très compétitif de 15 000 CFA au lieu de 20 000 ou 24 000. Donc si vous avez la possibilité de l'acheter maintenant, allez-y. Sinon, vous le ferez plus tard et moi, je ferai en sorte que les auteurs puissent dédicacer dans le programme. Merci à vous d'être venus très nombreux. Nous allons prendre. On prend une photo de famille en guise de souvenir avant de passer à la troisième étape de cet après-midi, c'est-à-dire le conseil qui est offert par l'école. Merci à vous tous. Oui, je voulais juste ajouter si vous prenez les indices qu'on a réalisés, on a fait un indice synthétique d'émergence économique. Cet indice a 19 variables. Aujourd'hui, tous les indices économiques qui circulent au niveau mondial, la plupart, parfois c'est une variable. On classe les pays par PIB, par tête. Si vous allez à l'ONU-DI, ils vont avoir des indices sur l'industrie manufacturière. Cet indice que nous avons produit synthétise toutes les variables imaginables en termes de développement économique. Je vous ai dit qu'on pouvait même un peu plus sophistiqué. Mais souvent, vous manquez de variables dans certains pays. Mais sans doute, l'Afrique, c'est ça la souveraineté. Tout à l'heure, vous parlez de l'Afrique et sa propre voix.
Aujourd'hui, nous, nous sommes des conseils de gouvernement. On sait que si vous nous proposez comme perspective simplement d'augmenter le PIB par tête, ça ne règle pas nos problèmes. En revanche, si vous fixez comme objectif d'être bon dans les 19 variables, vous commencez à être intéressé. De la même manière, au niveau social, développement social, l'indice PAR, l'indice développement humain, c'est le revenu par tête, c'est la santé, l'espérance de vie, c'est l'éducation. Nous, nous avons un indice pour tous les pays africains, avec combien de variables? Plus de 40 variables. Et on l'a agrégé sous forme d'un indice scientifique. Pourquoi ne pas utiliser cet indice-là, l'indice scientifique de qualité de vie, au lieu d'utiliser quelque chose de très simple? Parce que dans l'indice qu'on a fait, on a les infrastructures, l'alimentation, on a la nutrition, on a l'accès à l'assainissement, même l'environnement, même la qualité de l'air que vous respirez. Voilà. Donc, en tout cas, espérons que ce débat soit démarrable d'une nouvelle collaboration. Écoutez, c'était excellent. Nous allons continuer à développer ce type d'activité et à retrouver lors d'une prochaine session. Le Covid est toujours là, je termine par ça, c'est important. Le Covid est toujours là, continuez à porter les masques, faites attention à vous, allez vous vacciner. Il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages d'inconvénients. Vous voyez, la tendance mondiale, ça baisse. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ceux qui le souhaitent. Faites attention, bonjour chez vous, prenez soin de vous et également des autres. Et tout ira bien. Nous allons prendre la photo de souvenir. Merci à vous. Le portail. Il faut, c'est pour lui en fait. Je filme jusqu'à dehors. Ok. Désolé. La prochaine fois, il faut sauver.